dans le tournoi, il n'y a pas de partie qu'il faut prendre à la légère. C'était une autre partie de celle-là qu'il fallait vraiment exceller à tous les sens de la patinoire. Mais c'est ce que les filles ont fait. Ah, déjà, c'est une autre partie qui se passe à glace parce que les pointages qu'on regarde avec les autres matchs, on ne sait jamais comment ça va sortir. Avec les filles ont bien sorti, on est bien contents. Ben, c'est notre première participation vraiment pour les Cyclones de Québec. On est bien heureux que les filles performent bien cette année. On a une belle équipe. On est vraiment prêts pour tout le long des Jeux. Fait que, c'est des belles performances que nos filles nous donnent match après match. On est bien heureux. À chaque Jeux olympiques, il y a beaucoup plus d'inscriptions. Nous, par exemple, à Drummondville, on est passé de 35 patineurs il y a 7 ans à 150, 140 cette année. Donc, ça grossit. Chacun des clubs grossit. C'est un sport très challengeant. Les gens qui aiment se pitcher en bas d'un mur ou qui aiment c'est un sport où il y a on the edge. On est vraiment, vraiment sur la corde raide tout le temps. Donc, ça vient chercher beaucoup les jeunes. La relève est excellente. On en a justement dans la dernière finale qu'on vient de voir. Il y a des jeunes athlètes, là, faisons des cadets deuxième année, des jeunes de 11 ans, qui rivalisent avec des jeunes de 12 et 13 ans, qui sont vraiment, c'est une très, très bonne relève, des athlètes extrêmement, extrêmement puissants, qui sont très, très bons. On a une glace qui a été modifiée aussi pour les circonstances, une glace vraiment pour le patinage de vitesse. Donc, elle est plus froide, elle est beaucoup très performante. Les jeunes nous disent que c'est une excellente glace. Là, c'est plus bruyant parce que là, c'est vraiment, ils sont beaucoup plus partisans, c'est par région. Mais malgré que dans les compétitions, c'est quand même relativement bruyant. Mais je dirais que durant les Jeux du Québec, là, ils battent des records. Mais ça change nos techniques quand même parce qu'on ne peut pas se communiquer oralement, ils ne nous entendent pas, ils n'entendent rien. Donc, ça a été vraiment, il faut faire confiance, il faut se faire confiance. Il faut avoir préparé, visualisé pour partir vraiment du bon pied, puis après ça, continuer la course parce qu'ils savent tout patiner quand ils arrivent ici. Hein? Tout ce qu'il faut faire, c'est passer par-dessus le stress. Arrivé très serré comme ça, nous avons une caméra photo finish. Donc, c'est à partir de là qu'on est capable de déterminer les arrivées. Un photo finish peut aller jusqu'à quelques millièmes de seconde. Centre du Québec,
Depuis Chicoutimi, on a amené une nouvelle technologie qui est les plastrons électroniques. Quand on fait un coup pied sans rotation, c'est un point qu'on marque. Un punch, c'est un point qu'on marque aussi. Ça, c'est les arbitres qui le donnent. Et quand on fait un coup pied avec une rotation, c'est trois points. Fait que l'arbitre donne un point et les juges, le plastron donne un point et les juges rajoutent un deux points additionnel. Comme parent, c'est très, très stressant de voir ta fille voir ce combat dans une place tout chargée comme ici. Mais comme tu vois dans ma voix, je suis très émotif. Je suis toujours nerveux. Je veux qu'elle ne se blesse pas. Puis c'est ça, juste qu'elle rappelle toutes ses techniques de base. C'est super bien fait, super bien organisé aussi, alors c'est merveilleux, très très bien fait. Très beau site, c'est pour deux surfaces de combat, c'est super. Le monde peut voir partout, ils peuvent être d'un bord ou de l'autre, puis ils vont voir le combat. Fait que c'est bon pour les spectateurs. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde en arrière, fait que c'est une bonne foule qu'il y a aujourd'hui. Environ 300-350 personnes qui virent tout le temps, là. Fait que c'est très très bon pour le taekwondo. Là, c'est sûr que c'est région par région, fait que c'est sûr et certain que ça s'encourage et ça se relance un bord et de l'autre aussi. Même dans la salle de réchauffement, t'as des régions qui commencent le beat, puis les autres suivent, tout ça. Fait que très, très bonne ambiance. C'est bon pour l'adrénaline. Par contre, les athlètes ne comprennent pas ce que l'on dit. Souvent, on ajuste la stratégie parce qu'on voit la faiblesse de l'adversaire, on voit les petites failles, alors on les redonne à l'athlète. Donc, on donne les failles à l'athlète qui puissent s'ajuster. Alors, ce que l'on dit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de bruit. Quand on leur parle sur les plateaux, ils ne nous entendent pas nécessairement. Alors, ce que l'on fait pendant les rounds, ils ont 45 secondes de repos. Alors, on ajuste la stratégie pour leur permettre d'être au meilleur de leur performance.
aujourd'hui, slalom géant à Harford. Excellente journée. Particularité technique, le parcours était relativement difficile. Par contre, aucun blessé. La principale particularité des Jeux du Québec, c'est que tous les athlètes et entraîneurs sont hébergés à Drummondville. Donc, un transport qui est assuré de Drummondville à Harford. Fait qu'eux ont parti ce matin 6h30 pour se rendre ici aux alentours de 8h. Tout leur transport était aussi inclus, c'est-à-dire transporté par camion avant. Donc, c'est un service VIP qu'on donne aux athlètes.